Eh bien, salut tout le monde, c'est Shooters, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA Online pour une vidéo d'information à propos des braquages qui devraient normalement arriver bientôt, donc dans la mise à jour 1.18. Donc ça a été officiellement confirmé par Rockstar il y a quelques jours. Donc j'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de la sortie des braquages, je vous ai plutôt fait cette vidéo pour vous montrer quelques nouvelles animations qui devraient arriver dans les braquages, donc dans la mise à jour 1.18 si tout se passe bien. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, je suis en train de vous montrer des nouvelles animations qui sont en rapport avec les braquages. Donc ces animations ont été trouvées par un modeur américain qui s'appelle Chrome X Mods. Donc je mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Donc là, comme vous le voyez, on voit des animations en rapport avec les braquages comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a toutes sortes d'animations, il y a des animations de rappel pour descendre des bâtiments, et il y a aussi des animations pour les gens qui se font braquer ou alors les braqueurs. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de sortes d'animations, on peut vraiment s'attendre à des bons braquages pour la mise à jour 1.18 ou plus tard. Je précise qu'en tout il y a plus de 104 animations, donc là je vous en montrerai que une vingtaine ou une trentaine, ça dépend. Donc voilà, moi j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter et pourquoi pas partager cette vidéo avec vos amis. En tout cas, ça me ferait vraiment super plaisir. Moi, je vais vous inviter à venir me suivre sur Twitter et à rejoindre mon crew sur GTA V. Tous les liens vous attendent dans la description de la vidéo. Et donc voilà, moi je vais vous laisser avec la fin de la vidéo et puis je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!